Aujourd'hui, on est sur Brookhaven RP et je crois que mon amoureux est avec une fille. Mais juste avant ça, like et abonne-toi si tu veux apparaître sur la liste. Bon, t'as fini de me faire les ongles. Tac, 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 et voilà. Alors, ils sont beaux tes ongles? C'est vraiment pas super. Mais bon, ça va aller. Mais j'ai reçu un message pour la maison. Apparemment, elle est finie. Oh, c'est trop bien, ça veut dire qu'ils l'ont reconstruite. Ah, j'ai trop hâte de voir ça. Bon, allez, c'est parti. J'ai trop hâte de la visiter. Normalement, elle est toujours au même endroit. Je crois que c'est celle-ci là-bas. Ça va faire vraiment bizarre, elle a totalement changé. Mais bon, j'espère que je vais retrouver mon chéri et qu'il est dans la maison. Waouh, non mais elle a l'air vraiment super grande. Darkito, Darkito, je suis arrivée, j'ai trop hâte de voir la maison, elle a l'air trop belle. Il est passé où? Darkito? Mon amoureux, t'es passé où? Je suis là, c'est moi. Non, mais il est où? Je vois personne. Peut-être qu'il est en train de se cacher. Darkito, arrête de te cacher, c'est bon, je suis là. Bon, je sais pas du tout où est-ce qu'il est passé. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un message? Je vais essayer de l'appeler. Je tombe sur son répondeur. Bon, je vais lui dire qu'en quoi la maison, elle est finie et qu'il doit me rejoindre tout de suite parce que je suis trop contente, elle a l'air trop belle. Bon, je vais changer la peinture. Voilà, c'est fait. Oh, c'est trop beau en rose. Je suis sûre qu'il va adorer. Oh, regardez, il y a vraiment plein de trucs. J'ai une piscine. Là, il y a un toboggan. Mais il y a un toboggan? Comment c'est possible? C'est trop bien dans une maison. Bon, je vais essayer le toboggan. Oh là là. Oh, j'ai trop hâte. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Oui, ouais. Mais c'est quoi cette lumière? Il y a quoi qui a bougé? Bon, c'est vraiment bizarre. Je pense qu'il faudra que je fasse réparer ce bouton. Ah, bon, la lumière, elle fonctionne. Là, je comprends pas ce que c'est. J'ai reçu un autre message. J'espère que c'est Darkito. Mais c'est qui? C'est une fille? Mais je la connais pas, c'est qui elle? Et elle m'a dit comme quoi Darkito, il est avec elle. Mais non, mais Darkito, il me tromperait pas quand même. C'est vraiment bizarre. Il est passé où? Darkito, réponds-moi, réponds-moi. Bon, toujours la messagerie. Je vais appeler Midarkito, ça va pas du tout. Midarkito, c'est moi. Je crois qu'il y a un problème. Il y a Darkito, il est avec une fille apparemment. Et il a disparu. Et notre maison, elle est trop jolie et tout. Et je sais pas où est-ce qu'il est. Tu l'as déjà vu? Enfin, tu l'as vu aujourd'hui? Bah non, je l'ai pas vu. Pourquoi? Il est où? Tu sais pas où il est? Mais où est-ce qu'il pourrait être? Bon, je vais enquêter. Et t'inquiète pas, je vais essayer de le retrouver. Je peux venir chez toi, je peux venir chez toi. Je suis super triste, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Tu penses qu'il pourrait me tromper? Et oui, oui, vas-y, viens. Au moins, on va faire une enquête ensemble. Ok, j'arrive tout de suite. Bon, on y va. Rapido, c'est parti. Oh, on va y aller en hélicoptère? On y va en hélicoptère? Attendez, c'est parti, je vais poser un avis de recherche sur Darkito. Voilà, on y va. Boum, hélico! Et c'est parti! Hop là! Oh, c'est la maison! Oh, c'est cette maison-là, mais elle est vraiment trop belle, cette maison! Je dois atterrir où? Oh non, mais je dois atterrir où? Comment je fais là pour atterrir? Mais c'est bizarre, j'entends hélicoptère? Mais vous pensez que c'est Midarkito? Oh non! Il faut atterrir sur la maison! Sur la maison! Ok, c'est parti! On y va! Hop là, sur la maison! Oh, voilà, j'ai peur de casser la maison! Oh! Ok, bon! Ça devrait le faire. C'est rigolo. Hop là, je descends. J'arrive. On saute par là. Ah, oh, je suis trop fort. Oh, regardez. Regardez. Il y a un toboggan. Oh. Bon alors, Miss Darkito, en fait, j'ai une idée. Je pense qu'il doit être à la ferme parce que j'ai oublié de faire ça, ok? D'accord, t'as compris. Je pense qu'il est là-bas. Quoi? Mais j'ai compris juste le mot ferme. Alors, bon, ben, direction la ferme. Tu sais quoi, on va prendre ma voiture. Même si j'ai rien compris à ce que t'as dit. Mais j'ai plus de voiture. Bon, viens, je vais te porter. C'est pas grave, on va y aller à pied, hein. Bon, j'espère qu'il est resté à la ferme. C'est vraiment bizarre, cette histoire. T'imagines s'il serait avec une fille? Non, il est pas capable, quand même. Bah, peut-être qu'il s'est fait kidnapper par une fille. S'imagine, il s'est fait kidnapper par une fille. Bien, j'espère qu'il a une excuse comme ça, parce que sinon, c'est sûr que c'est moi qui vais finir par le kidnapper, et on le reverra plus jamais, tu verras. Mais t'es sa copine. Bah, tu vas pas faire ça, quand même. Et moi, j'ai envie de le voir, Darkito. C'est mon amoureux, mon ami, pas amoureux. Ok, on a jamais fait de bêtises ensemble, je te le promets. Attends, t'as dit mon amoureux? Mais je sais plus, il aime qui, Darkito, en fait? Il aime moi, toi, ou la fille? Darkito! Je vois rien ici. Bon, il est pas là. C'est vraiment bizarre, là, je suis vraiment pas rassurée. Bon, on va se séparer.
Moi, je pense que je vais vérifier en premier le motel. J'espère qu'il a pas passé la nuit avec une autre fille. Hein. Bon, on arrive au motel. Je croise les doigts pour qu'il soit pas là. Bon, apparemment, il y a aucune chambre de réservée. C'est vraiment louche. Je vais quand même voir sur le registre s'il est déjà passé par là. Apparemment, non. Mais Darkito, il a disparu, vous pensez? Je sais plus où il est. Et voilà, j'espère que vous allez mieux. Je vais encore envoyer un message à Miss Darkito pour lui dire comme quoi elle peut venir te récupérer. Mais vous êtes pas infirmière, vous êtes vétérinaire. Mais bon, vous avez bien réussi le boulot quand même. Vous avez recousu mon bras ou c'est ma jambe, vous avez fait? Vous avez pas inversé les deux quand même? Non. Oh, ça va. J'ai eu peur. Mais non, vous inquiétez pas, d'habitude je m'occupe des chevaux, mais finalement, j'aime bien aussi le faire sur des humains, tu vois. Heureusement qu'on s'est croisés à la ferme, hein. C'est bizarre quand même qu'elle vous ait abandonné là. Bon, c'est pas grave, je vous souhaite un bon rétablissement, et puis voilà, hein, j'espère ne pas vous revoir. Mais t'as une voix quand même plutôt aiguë quand même pour être infirmière. T'as quel âge? Bah, en fait, je suis stagiaire. Moi, d'habitude, je m'occupe des chevaux et je m'occupe aussi des chats et des chiens, mais j'ai jamais fait, en fait, donc j'espère que ça va bien cicatriser. Oh là 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 là, c'est vraiment pas rassurant. Bon, viens, Miss Darkito, ça fait 3 jours, je l'attends. Je sais pas pourquoi elle répond pas. Oh non, j'ai encore reçu un message. C'est écrit comme quoi Darkito, il est à l'hôpital. Oh non, vite, vite, j'espère qu'il va bien. En plus, j'ai pensé comme quoi il m'avait trompé et finalement... Et finalement non, donc je m'en veux un peu, hein. On est bientôt arrivés, j'espère qu'il va bien quand même, parce que, ben, mon amoureux quand même. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Comment je vais le trouver? Mais qui? Darkito, je vous dérange pas? En fait, t'es vraiment en train de me tromper avec quelqu'un, là, mais vous faites quoi, en fait? En plus, à l'hôpital? Non, mais vous êtes vraiment trop bizarre. Ah, j'ai mal, ah! Non mais restez pas dans la chambre, vous voyez pas comme quoi je suis en train de lui faire une piqûre? Allez, vite, dors! C'est n'importe quoi, c'est pas libre-service ici, hein. Mais c'est moi, Miss Darkito! Je suis sa chérie! Vous êtes qui, vous? Moi, je suis stagiaire, je m'occupe des animaux. Mais c'est pas un animal! Darkito, tu vas bien? T'es sûre qu'elle s'est bien occupée de toi? Je crois, là, je suis un petit peu encore sous les effets des médicaments. Je sais pas trop ce qui se passe et... En fait, à la ferme, je me suis fait bobo. Quand t'es parti, tu m'as laissé tout seul. Et du coup, ben... Oh là là, les médicaments. Waouh. Je plane complètement. Oh, c'est marrant. Oh, Mini Darkito. Oh, je t'aime, Mini Darkito. Je t'aime, Mini Darkito. Ça va, Mini Darkito? T'es venu me récupérer à l'hôpital? Hein? Quoi? Mais je ressemble pas à Miss Darkito quand même, c'est moi! C'est moi ta chérie, c'est Miss Darkito! Réveille-toi, réveille-toi! Oui, Miss Darkito, oui, je me réveille! Et attends, Miss Darkito, je voulais te dire un secret. Tu sais, Miss Darkito, eh ben Miss Darkito, la dernière fois dans la tente, elle a voulu faire des carottes râpées. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu deviens totalement fou! Mais c'était pas des carottes, c'était des pommes! Non, mais y a vraiment rien qui va. Vous êtes sûr que vous êtes pas trompé de piqûre et que vous avez plutôt mis une piqûre pour les animaux? Parce que là, c'est vraiment pas normal, hein. Mais laissez-moi faire mon métier, en fait. Je suis vétérinaire, je sais mieux que vous. Et puis en plus, il est super mignon, donc c'était pas très désagréable. Quoi? C'était pas désagréable? Mais je suis choquée. Bon, rien que pour ça, Darkito, tu restes avec moi et je vais t'emmener à la maison parce que... Je pense qu'elle est pas très fiable, elle, hein. Je sais pas qui c'est, mais bon... Elle est pas médecin, en tout cas. Mais C'était Mini Darkito à l'hôpital avec nous, non? Oui, peut-être, non, je sais pas... On va où? On va à la maison, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Et puis, en plus, il va y avoir Mini Darkito qui va nous rejoindre et tout va bien se passer, t'inquiète pas. Regarde, en plus, on a une super grande maison maintenant avec un gros toboggan et tout. Je vais t'emmener dans la chambre et tu vas te reposer. C'est parti, je crois que la chambre elle est là. Bon, celle-ci elle me semble bien. Allez, tiens, voilà, reste au chaud et repose-toi parce que j'aimerais bien quand même que tu te souviennes de moi. Bon, bah, il s'est déjà endormi. Mini Darkito, c'est bon, j'ai trouvé Darkito, t'es où? Eh, j'ai fait tout Brokhaven, je l'ai pas trouvé. On fait comment maintenant? Oh, attends, j'ai une idée. Regarde ce que j'ai trouvé. Waouh, ça résonne. Mini Darkito te cherche. Darkito, où es-tu? Bon, où est-ce qu'il est? Normalement, ça a dû...
Normalement, si quelqu'un est là, ça a dû le réveiller, c'est sûr. Hein? Mais on m'a appelé? Oh, mais où est-ce que j'étais tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je comprends pas. Je vais aller voir ce qui se passe. Mais Darkito, tu l'as réveillé! Il fallait pas! Il est malade! Il est malade? T'es malade? Mais t'es malade ou pas? Bah non, je sais pas, je viens de me réveiller. J'étais où tout ce temps et on est où là en fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais où? Et pourquoi mon pied il est recousu? Oh là là, il s'est réveillé, ça y est. Mais bon, c'était pas mieux. C'est pas mieux qu'avant quand même, hein? Darkito, t'inquiète pas, on va tout expliquer plus tard. En tout cas, bienvenue dans notre nouvelle maison. Et en plus, il y a un toboggan. On va faire le toboggan, t'es partant? Moi, je vais le faire. Bon, viens. Si tu veux, tu peux te reposer et tu m'as manqué tout ce temps, tu sais. Je me suis inquiétée. Te faire un bisou. Viens, on va dans le lit, on va se reposer un petit peu. Allez, viens avec moi. Tu sais, on est vraiment bien là, tous les deux. Je sais pas du tout ce qui t'a pris, en fait. Tout à l'heure, t'as oublié qui j'étais. Ah, je sais pas, je suis tombé sur une infirmière un peu folle. Elle connaissait rien, elle m'a mis des doses de chevaux. Elle m'a dit qu'elle s'occupait beaucoup des chevaux, mais moi je suis pas un cheval. Je suis pas un animal. Enfin, je comprends pas, c'est bizarre tout ça. Et puis, en même temps, je me disais aussi à la ferme, s'il m'arrive un problème, s'il faut, on allait me confondre avec un cheval parce que regarde mes cheveux, ils sont en désordre complet et peut-être qu'on m'a confondu avec un cheval. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi? C'est bizarre, non? Mais non, n'importe quoi! Moi je pense que t'es encore un petit peu malade là. C'est un peu. Comment dire, l'effet, tu vois, des médicaments, donc ça ira mieux demain. Et puis en plus, j'adore moi tes cheveux, ils sont super beaux. Bon, tu sais quoi, on va dormir. Bon, les amis, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, et à regarder d'autres vidéos.